Bonjour les amis, comme promis cette semaine, la deuxième partie de mon voyage en Martinique. Je vais vous présenter dans cette vidéo les différentes plages sur lesquelles je suis allée et en bonus, si vous me suivez jusqu'à la fin, je vous présenterai les différentes spécialités que l'on peut déguster à la plage ou après la plage. Vous avez envie d'en savoir plus? Mettez votre chapeau de soleil, vos lunettes et c'est parti pour la visite! Oui, oui, allons-y à ces plages, je suis prête. Voici une jolie carte de la Martinique. En fait, c'est un torchon qui représente évidemment la carte de la Martinique. Tout ça pour vous indiquer notre périple en Martinique. De ce côté-ci se trouve la mer des Caraïbes. De l'autre côté, ici, se trouve l'océan Atlantique. Tout en haut, vous avez le canal de la Dominique et ici, dans le bas, vous avez le canal de Sainte-Luce. Toutes les plages que nous avons faites se situent par ici. Les Trois Îlets, la Pointe du Bout, l'Aisance d'Arlée, le Diamant, Sainte-Luce, les Salines. Puis nous sommes remontés vers le Vauclin, le François, nous sommes allés jusqu'au Marigot, la Basse-Pointe, puis nous sommes redescendus de l'autre côté vers le Carbet, puis retour à la maison. Et surtout du flying board. La navette qui arrive directe de Fort-de-France déverse des flots de touristes qui viennent passer la journée sur l'Anse-Mitan. La plage est très grande, bordée d'hôtels et de restaurants. Elle est très ou trop animée. D'un côté du ponton, on va trouver une toute petite plage peu ombragée et de l'autre côté, la grande plage touristique. Comment voulez-vous que je lise avec tout ce bruit? Grande plage facile d'accès, avec d'un côté du ponton une plage un petit peu plus calme et de l'autre côté, toujours aussi agréable, une longue plage bordée de petits restaurants.
joli petit village de pêcheurs offre une belle et longue plage. Au bout du ponton, l'église. Avec le mauvais temps, j'ai essayé de trouver un instant pour vous montrer qu'avec le soleil, c'est bien plus joli. La mer est belle et claire. Il y a d'un côté un petit rocher où l'on peut faire de la PMT et découvrir un joli fond marin. À l'autre bout, les pêcheurs et leur prise du jour. Les paysages tout au long de cette magnifique route sont absolument féeriques et on s'arrête pour visiter de petites anses par-ci par-là. On repasse du côté de la mer des Caraïbes ou mer des Thank you.
j'habite sur l'île pour pouvoir toutes les découvrir. Qui sait, un jour peut-être. Oui, 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 je la veux, cette mutation. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner ou bien de partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Eh oui, les vacances sont terminées, nous allons passer à autre chose. Ah, enfin, passons à autre chose. À tout bientôt, au revoir. Moi aussi, je vous embrasse. Et on se retrouvera, ça c'est certain.